Bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent qui nous permet de découvrir chaque jour de décembre de nouveaux protagonistes francophones installés à Édimbourg et dans la région. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir Lise Morel, qui a eu l'initiative de ce calendrier et va nous permettre de partager ces informations avec vous régulièrement. Lise. Bonjour. Donc, effectivement, je suis très contente de pouvoir participer à ce projet et qui va nous permettre de découvrir, comme l'a dit très bien Fred, de nouveaux commerces et surtout les personnes qui se cachent derrière tous ces commerces. C'est ça le plus important. Alors Lise, dis-nous un petit peu d'où tu viens. Alors, à l'origine, je suis de région parisienne et je suis arrivée en Écosse il y a bien longtemps, puisque ça fait quasiment 30 ans que je suis ici. Donc voilà, je suis arrivée toute jeunette et me voilà toute vieille. Alors justement, raconte-nous. Non, non, toute vieille, tu plaisantes. Un Raconte-nous. petit peu vieille. À peine un chouïa. Raconte-nous justement, qu'est-ce qui t'a amené en Écosse? Pourquoi ce magnifique pays? Ben, en fait, c'est un peu par hasard. J'avais une copine qui habitait à Aberdeen et à l'origine, je suis venue pour 3 mois. Voilà, c'était il y a 30 ans. Et c'était il y a Donc, 30 ans. Tu fais dans les multiples de 10. voilà, exactement. Alors justement, tu es arrivé à Aberdeen et tu partais, tu étais parti pour 3 mois. Tu faisais tes études à l'époque puisque tu étais toute jeune. Oui, alors c'est ça, je faisais mes études et ça se passait pas très bien en France. Et donc après, quand je me suis installée en Écosse, j'ai repris mes études à l'université d'Aberdeen et j'ai fait une double maîtrise en fait en anglais, en littérature anglaise et en français langue étrangère. Bien. Et tu as vécu ailleurs en Écosse? Ben en fait, avant d'arriver à Édimbourg, donc j'ai passé 8 ans à Aberdeen. Donc j'aimais beaucoup la côte est. À l'origine, bon, c'était parce que mon conjoint était là-bas. Ah. Et puis après, ça a été pour mes études. Donc, Quelle chance, toi, tu as rencontré ton Écossais en kilt. moi, j'ai rencontré mon Écossais en kilt au bout d'une semaine. Alors, autant Oh, dire que ça a été quand même assez radical, hein, du coup. oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et donc ensuite, tu es arrivé à Édimbourg. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à Édimbourg finalement? Ben, je suis tombée enceinte, comme ça peut arriver. Et on a souhaité se rapprocher un peu de la famille de mon mari. Et qui est à Édimbourg. D'accord. Et donc c'est ce qui a vraiment motivé notre déménagement, outre le fait qu'on avait déjà fait tous les pubs d'Aberdeen et que bah il fallait passer à autre chose, hein, c'était Absolument, vive les pubs d'Édimbourg, il y a du choix, je comprends. En dehors des pubs et d'un pitchounet qui devait arriver, depuis que tu es à Édimbourg, quelle est ton activité, ton parcours ici? Oui, alors quand je suis arrivée déjà immédiatement à Aberdeen, j'ai commencé à donner des cours de français à des adultes. Alors ça a été un petit peu dur parce que j'étais très jeune, mais bon, finalement, il s'avère que j'adore torturer les gens avec de la grammaire. Je suis la reine des pronoms. Mes étudiants vous le diront, et j'adore infliger le subjonctif sous n'importe quel prétexte. Et donc après quelques années à faire ça, à enseigner en cours du soir aux adultes à Aberdeen,
J'ai commencé aussi à enseigner à la fac. Et puis après, quand on a déménagé à Édimbourg, même chose. J'ai donné des cours dans des community classes. Et puis également à l'université d'Édimbourg, au département de français. Et puis un petit peu à l'Institut français. Et Mais du tu as... coup, après... Oh, pardon. Non, non, c'est moi. Tu as développé d'autres activités parallèlement à ces cours de français? Oui, alors à partir du moment où je suis arrivée à Édimbourg, à peu près, j'ai commencé à développer une activité de traduction. Donc, je fais beaucoup de traductions. Au départ, c'était des traductions extrêmement techniques. Je pense que la première traduction que j'ai jamais faite portait sur des cuves de papier dans une usine, dans une papeterie, dans une usine à fabriquer le papier et un énorme manuel qui instruisait ce qu'il fallait faire pour les nettoyer, ces fameuses cuves. Effectivement, c'est plutôt pointu. Oui, et donc par la suite, bon, j'ai continué ensuite dans ce domaine très technique. Je suis passée des huiles de moteur aux peintures de voitures, en passant par Dieu sait quoi, enfin, peut-être quelques manuels pour des machines, etc. Enfin, moi, je trouvais ça tout à fait passionnant parce que à chaque fois, on découvre une sorte d'univers différent et j'apprenais beaucoup de choses, même si c'était assez difficile. J'imagine. Mais du coup, tu es peut-être passé sur des sujets plus choisis, que tu préférais? Alors, au milieu des années 2000, à peu près, j'ai eu la chance de commencer à travailler dans l'industrie de l'audiovisuel, et en particulier, dans le domaine de l'animation. Et donc maintenant, je traduis des séries de dessins animés, des films d'animation, et puis bah, tout le travail de marketing qu'il y a autour, en plus des traductions des épisodes et de l'adaptation des dialogues. Je fais également un peu de sous-titrage, que à l'heure actuelle, j'en fais pas tellement, j'en fais un petit peu pour des projets choisis. J'ai la chance qu'on fasse appel à moi pour des choses peut-être un petit peu différentes. C'est absolument fabuleux ce que tu nous dis là. Mais alors, du coup, aujourd'hui, quelle activité, puisque tu as de nombreuses cordes à ton arc, quelle est l'activité que tu voudrais mettre en avant et proposer localement aux gens ici? Oui, alors c'est vrai que localement, pour mes traductions, je travaille surtout avec des studios d'animation basés en France. Mais ici, je propose toujours des cours pour les adultes. Et effectivement, j'ai ma propre salle de classe dans laquelle on se trouve actuellement avec tous ces bouquins, comme on peut voir. Mais c'est très sympa et sans manière. Et donc, j'accueillais jusqu'à la pandémie, évidemment. J'accueillais plein d'adultes qui venaient pour améliorer leur français. Donc, ce sont des petits groupes, maximum 8 personnes. Et donc, en général, le soir, mais aussi un peu pendant la journée. Et on a différentes approches. Alors, j'ai des cours qui sont plus axés sur les examens. Par exemple, en ce moment, j'ai un cours le lundi soir où on prépare le niveau C1, C2 du DELF. On peut aussi me contacter pour me proposer d'organiser un cours hein, sur un sujet. Moi, ça m'intéresse toujours de faire des choses différentes. J'ai aussi un cours, des cours de conversation où là, c'est vraiment l'oral qui prime et j'encourage les étudiants à bien
à bien parler, à l'aide de jeux, etc. Alors, ça, tu t'en doutes, ça n'a pas été très facile de passer au numérique. Oui. Au mois de mars, ça a été un peu brutal. Et soudain, du jour au lendemain, j'ai dû me retrouver avec Zoom, enfin, comme tout le monde, quoi, en fait. Mais voilà, et puis maintenant, je suis bien habituée à ce nouveau moyen de communication. J'ai un petit arsenal de jeux communicatifs qui doivent permettre, qui permettent d'ailleurs aux étudiants de s'exprimer. Du reste, là, j'ai testé un nouveau jeu hier soir avec mon groupe élémentaire à qui j'inflige depuis quelques semaines le subjonctif justement et alors c'était vraiment bien, ils ont bien apprécié parce que ils ont fait du subjonctif sans s'en apercevoir et finalement c'est ça la meilleure façon de progresser je pense. Donc tu es une fée en fait, tu as une baguette magique. Ping! Et... Oui, c'est ça effectivement. On peut me trouver sur les réseaux sociaux sous le doux nom de French Grammar Fairy, la fée de la grammaire française. Et voilà. Je préfère être une fée qu'une sorcière, mais bon, on verra bien quoi. Non, non, une fée, je te vois bien en fée, absolument. Ah, c'est Magiquement, tu nous gentil. permets de parler le subjonctif en toute fluidité. C'est super. Alors, vous l'avez compris, vous voulez apprendre le français, vous voulez pratiquer le français, vous voulez améliorer votre français, faites appel à Lise. C'est une fée, vous y arriverez. Merci beaucoup, Fred, c'est très gentil. C'est de rien, Lise, c'est mon plaisir. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview avec nous. Et bientôt, nous te retrouvons sur toutes les pages Facebook francophones du monde entier. Wouhou! Merci Merci beaucoup. Au encore. À revoir, bientôt. à Au bientôt. revoir.